Et bonjour à tous, des Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va donc aujourd'hui s'occuper de la customisation, ou du moins de regarder un peu ce qu'on peut améliorer sur ce mini tank RC. Donc pour rappel, le tank RC sera offert le 25 décembre sur GTA Online pour Noël. Il sera donc offert toute la journée du 25 décembre. Par contre, à partir du 26, je suppose qu'il ne sera plus offert et il sera donc toujours disponible, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, mais il sera à un peu plus de 2 millions, il faudra donc le payer. Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer au RC Tank, et dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la Sultan et aux premières voitures qui sortiront bientôt sur GTA Online, et donc la Sultan qui arrivera jeudi prochain. On va quand même regarder un peu à quoi elle ressemble avant jeudi, histoire de se donner une idée. Donc allez, on va prendre le tank. Donc c'est un tank télécommandé, donc bien sûr, il faut que j'en fasse spawn un autre. On se retrouve dans quelques... Allez! Donc je vous l'avais montré un petit peu en test, hein, déjà. Ce véhicule. Donc là, il a une mitrailleuse. Allez, on va aller dans le Los Santos System. Alors, moi, je sais que je peux aller dans le Los Santos System, mais je pense que c'est à cause du mode. Faudra voir comment ça va se passer dans GTA Online, en fait. C'est le char Invasion Pacific. Véhicule militaire. Alors, motif. Camouflage basique. Ok, camouflage vaporisé. Ouais, c'est vraiment dans le style de l'armée, quoi, de l'époque. Hein. Bac à sable des années 90. Ok. Moderne 5 couleurs. Décor aride. Guerrier urbain. Ouais, ok. Pourquoi pas. Ils sont sympas, hein, mais bon. Géométrique coyote. Géométrique large. Petit pixel. Pixel moyen. Ah, je vais prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là, tac. Peinture, alors. Ah, on n'a pas... Ah oui, non, je me suis trompé de couleur, ok. Faire vers Lime. Je pense qu'il y a différents motifs avec d'autres couleurs. On va essayer avec les, on va regarder les autres, les motifs avec cette couleur pour voir ce que ça donne. Alors armes, on a lance-flamme, lance-roquette et canon plasma. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde tous les trois, on va les tester tous les trois. Donc on va commencer par le lance-flamme et puis on testera après le lance-roquette et puis le lance, le canon plasma. Un très intéressant, le canon plasma d'ailleurs, hein. On regarde les motifs avant, donc avec cette couleur, un peu ce que ça donne autrement. Donc on a sans camouflage, après vous mettez camouflage. Là, je suppose qu'il y en a, ils ont plusieurs couleurs. Genre celui-là. Si je prends celui-là, décor aride, ça donne quoi? Peinture. Ah non, il n'y a qu'une couleur aussi. Bon. Bah voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Allez, on va attaquer avec le lance-flamme. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il a pas l'air d'aller bien loin, le lance-flamme, par contre. Hein. C'est vraiment plus un truc de proximité que de moyenne ou longue portée. Hein.
contre, il a l'air costaud. Hein. Il a l'air d'être aussi costaud qu'un tank. Hein. Alors, on a peur de bleu. Par contre, ouais, il a un jump comme les RC. Allez, on passe au lance-roquette. On va voir un peu la cadence. C'est une courte portée, j'ai l'impression. Vous voyez? Ouais. Et, une courte, très courte portée en fait. Sur les armes. Pour éviter que ça soit trop cheaté en fait. Pas, elles ont pas l'air de faire si mal que ça en fait. Ça a pas le même impact que les vrais tanks. À quoi que là, celui-là, si. Faut être suffisamment prêt en fait. Parce que la courte à moyenne distance, vous voyez, ça leur fait quasiment rien. Allez, hop, par contre, si je me rapproche. Just what I need, holy. Allez, on passe à l'arme plasma. Oh, comme il relève le canon. Wouah, faut vachement compenser. Et encore.
Ben voilà les potes, on a fini l'essai de ce tank. Vous rêvez un peu ce que ça donne, donc je le rappelle, c'est ce tank est tout petit tank RC et offert le 25 décembre, toute la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu le bordel, honnêtement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaie de m'éloigner parce qu'on n'entend rien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tank, de ses armes un peu. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner s'il y en a qui découvrent ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao. Oh, putain, c'était chaud ça.